Hey les amis, c'est Yoshikira et bienvenue dans le 15e épisode de Pokémon version Prism. En tout cas, j'espère que vous allez bien. De ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, épisode un tout petit peu spécial. On va essayer de compléter le Pokédex pour avoir l'objet, le Multi-Ex. On va récupérer le Magikarp 1, 2, 3, 4 dans la pension d'Azuria. On va faire toutes les quêtes possibles disponibles. Et ça, on va le faire maintenant. Voilà, c'est parti. Donc nous allons commencer l'épisode avec la quête de la Sphyrale. Donc nous allons reparler à ce cher monsieur. Donc je tourne de soir, il fait en plus extrêmement chaud. Donc on va essayer de tourner vite et efficace. Ah, te voilà, je vais te faire entrer par le conduit d'aération qui te mènerait au premier étage. De mon côté, j'ai pris un peu de poids, donc je ne pourrai pas passer. Ce sera donc à toi de jouer, je compte sur toi. On peut y aller ? Allez, let's go, c'est parti. Ok, donc là, à vue d'œil... Oh, il fait sombre. On a un téléporteur, on a des gardiens. Oh, mais c'est cool, on va avoir du combat en plus. Attends, est-ce que c'est... Oui, ça doit être un... Ouais, c'est un téléporteur, on a un gardien. Hop. Par contre, je ne sais pas du tout les niveaux des gardiens, donc on va essayer de les esquiver au maximum. Et merde, il nous a chopé. Alerte, intrusion dans le bâtiment. Ok, donc ça sera pas des combats. Ok, c'est un petit labyrinthe. Bonjour toi. Toi t'es un putain de gardien, c'est ça? Alerte intrusion dans le bâtiment. Ah non. Ok. Donc il faut éviter les gardiens. Très bien. Donc on va passer par là. Ok, toi tu gardes l'escalier, donc faudra pas passer par là. Là on a un téléporteur, très bien. Et hop là, tu m'as pas vu. Hop, je suis passé, tu m'as pas vu. Ok, on a un téléporteur, on va prendre celui-là. Ok, le gardien est là-bas. Ah, l'objet qu'on convoitise est là-bas, très bien. Alors, il faut essayer de duper. C'est bon, le... Oh, ta mère. Ok, alerte intrusion dans le bâtiment. Oh, je sens que cet épisode va être sympathique. Ok. On va prendre le même chemin que tout à l'heure. On était bien. Hop, on prend les escaliers. Hop, téléporteur. On est où? On n'est pas au même endroit. Oh mon dieu. Ah, oh, on est retourné au début. C'est bon, je l'ai ninja. Allez, on passe en bas. Ok, on peut pas passer par là. On a un objet par là, on va le choper. Qu'est-ce qu'on chope? Attention. Attention, suspense. On chope quoi? On chope quoi? Une hyperbole, très bien. Donc ça sera pas par là. Là c'est gardé, là c'est gardé. Là c'est pas gardé. On arrive de là. Ok, là si on descend, on se fait choper par le garde. Donc on va monter. En montant, on a... Un garde qui fait la ronde, très bien. Un garde ici. De toute façon, ça va être dans un lieu sûr. Là, non. Ah, oh, ça va être hardcore de passer. Hop, on en profite dès qu'il tourne. Hop, bonjour, tu me vois pas, j'étais à côté. Ah, je suis pas passé au bon endroit. C'est pas possible. Ok, en tout cas, ça change un peu. Je pense que le programme de cet épisode, qui était censé être autre que ça, va être littéralement que ça. Non, on va essayer de capturer le Ronflex juste après, au moins... Enfin, je sais pas trop. On verra bien. Oh mon dieu. On peut acheter des boissons. Ça, c'est chouette, avec cette chaleur. Ok. C'est pas par là. Ok, on se balade. Ah, mais ce qui est marrant, c'est... Je me dis, tiens, allez, on va faire un petit épisode tranquille. Il fait chaud, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et voilà qu'on a... Ah, putain, c'est bon. Tu me vois pas, tu me vois pas.
Vite, j'ai même pas vu ce que j'ai chopé. Une pépite. Ok. Allez, c'est reparti. Non, on va prendre ça. On va prendre l'escalier qui est gardé cette fois-ci. Hop. Donc on monte. On remonte. On démonte. On continue à monter jusqu'au bout. Là, on y était tout à l'heure. On va monter ici. Mais je crois qu'on y était déjà. Hop, toi, tu me vois pas. On continue à monter. Il était si haut que ça dans Rouge Feu Vert Feuille? Je me rappelle plus. Même dans la version jaune. Hop, on descend. Ok, là, c'est là où je me suis fait choper tout à l'heure. Là, c'est gardé. Oh putain, c'est même ultra bien gardé, dis donc. Là, on a un téléporteur. Ok, lui, il nous tourne le dos. Au calme. Oh putain. Ok. Mais je crois que je suis déjà passé par là. Oui, je suis déjà passé par là. On va essayer de voir. On va monter tout en haut pour être sûr. Hop. Tranquille, au calme. Bon sang, j'ai chaud. Hop là. En tout cas, je voulais aussi vous remercier parce que on est enfin 150 abonnés. Et samedi, je ferai une petite... Samedi ou dimanche, une petite vidéo donc pour vous remercier de me suivre sur la chaîne, voilà. Je vais essayer de faire un truc un peu spécial, donc c'est pour ça que je ne sais pas si ça sera samedi ou dimanche la vidéo. On va prendre le téléporteur à droite. Donc voilà, mais je vous remercie déjà et je vous donne donc les prochaines news sur la chaîne, ce qu'il va y avoir prochainement ou pas du tout. Ok. On passe ici. Ok, là c'est bien gardé. On va prendre, hop, le téléporteur. On va prendre celui-là plutôt. Ah, j'aime bien là car il y a plein de téléporteurs qui mènent à d'autres téléporteurs. Ça peut nous dire qu'on est peut-être au bon endroit. Allez, suspense. Hop là, tu vas pas me brain. Là, on a chopé quoi? Est-ce qu'on a l'objet qu'il nous faut ou pas? Ah, mais on était là. Du zinc. Du zinc péritium. Ah, mais en fait, le but... Alors, attends, lui, il fonctionne comment? Il tourne pas? Ok. Oh, putain! Je vais vite. Je vais très vite. Je regarde même pas ce que je fais. Ah non, ben on va remonter, hein. Vous aimez bien ça tourner en rond, les amis. Hop, ben on va reprendre ce téléporteur-là. Honnêtement, je ne sais pas du tout où je vais. Mais c'est un putain de casse-tête, j'aime beaucoup. Et même si je tourne, voilà, une ou deux heures, on va essayer de le réussir. Hop là. Là, c'est super bien gardé. Et je suis sûr qu'il va falloir aller là. Donc on retourne au téléporteur de tout à l'heure, bien sûr. Mais bien sûr que oui. J'ai chaud. Ok. On monte. Non, on va par où? On va par... Mais je suis déjà passé par là. Tata yo-yo. Descends. Je suis déjà passé par là. On descend. Là, je suis pas encore passé. Je crois pas. Allez, l'objet qu'on cherche, c'est cette Pokéball bizarre. Donc, on va essayer d'y accéder tactiquement. Donc là, en bas, c'est gardé. Ok. Là, c'est gardé aussi. Très bien. Donc, on va reprendre ce téléporteur. Ça va être notre point de départ, ça va être ici. Donc là, hop, on va prendre celui qui est à droite si on se fait pas choper. Hop. Oh, merde! Allez. Ok. Ouh, tata. Mais ça nous mène au même endroit. Bonjour, monsieur. Vous me voyez pas? Hop, ninja.
Ok, là on a un objet. Qu'est-ce qu'on récupère cette fois-ci? Un... On récupère quoi? Des habits d'intello. Vous mettez les habits d'intello. Oh, intéressant. Donc ça fait que, du coup... Logiquement, maintenant... Allez, c'est reparti, squalala. On se fait pas brain. Il y aura beaucoup de cuts et généralement ça sera quand je me ferai choper. Hop là. On y croit. Passe par là. On monte à gauche, à droite. Non plus. Hop, on esquive. Tu m'as pas vu, t'as vu. Wesh, t'inquiète gros. On descend dans la montagne à cheval et il n'y a pas de téléporteur. Et merde. On remonte. Toum, toum, toum. Ah là 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 là, Team Nebula, vous me faites rêver, c'est génial. Ah putain. Et le souci, c'est que il doit y avoir un truc logique là-dedans. Car l'objet qu'on veut est gardé là-bas. Mais pour y aller, si on fait bien le tour de ce bâtiment, à part si c'est extrêmement bien planqué, je ne vois pas de téléporteur. Et on a fait déjà tous les téléporteurs. Vous êtes d'accord avec moi? Donc... Attends, je m'écarte du garde. Non, il n'y a pas de téléporteur. La salle, c'est celle-là. Il n'y a pas photo. Alors, on va faire le tour pour être sûr. Hop, tu me vois pas. Tu me vois pas. Hop, je descends. Non, il n'y a pas du tout de téléporteur. Là, c'est clair, net, les... Tous les téléporteurs sont ici. Donc maintenant, je suis sûr qu'il faut parler au garde, mais lui parler. Et on aura la solution. Allez, on lui parle? On y croit? Oh, professeur, vous venez travailler de la nuit maintenant? J'ai vu personne approcher du périmètre, je vous en prie. Ah, c'était ça. Oh oui, haha. On l'a chopé. On l'a eu. 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 Vous obtenez le CD top secret. Ça sert à quoi? Bien joué. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais tu passes par où, toi? J'ai finalement réussi à rentrer en apportant une pizza somnifère au garde du rez-de-chaussée. Voilà donc le programme de la mise à jour de la CS Flash. Maintenant, tu vas me donner ça et je vais devenir riche. Ah ah ah! Pas si vite. Belladonis, le retour. Je suis l'inspecteur Belladonis des forces de police internationales. C'est évident, mon nom de code. Belladonis, caché dans mon super détritus camouflage, j'ai assisté à toute la scène. Vous êtes en état d'arrestation et prise d'otage. Quoi? Mais c'est même pas de... c'est même pas un otage d'abord, c'est... Il n'y a pas de mais qui tiennent. Le professeur Zweistein est un des membres importants de la Spirale. C'est un flagrant délit. Vous devrez rentrer chez vous. Haha, et j'amène cet individu en garde à vue. Bonne soirée. Que la lumière soit terminée. La puissance de la CS Flash a été augmentée. Yes, ça c'est cool les amis. Allez, on va en profiter du coup. On va juste... Hop, sortir d'ici maintenant. Hop. Bah du coup maintenant on va se faire choper. Hop, monsieur le garde s'il vous plaît, prenez-moi. On va récupérer. Ah c'est bon. On va juste récupérer. Je sais pas en fait. Qu'est-ce qu'on a comme quête à faire? Qu'est-ce qu'on a? Hop, quête. On va faire quand même un truc un peu plus complet. Hop, quête en cours. Mélofée danseur, bon appétit. Parler au sensei du dojo. Petit poisson deviendra grand. Une eau mystique, ouais, ça pas. Ça ferait mieux. En capturant et en lui ramenant un ronflex. On va essayer de capturer le ronflex. On a ce qu'il faut. Et on va se terminer là, les amis. Comme ça, on aura fait au moins quand même un petit combat dans cet épisode. Tranquille au calme. Et puis voilà. Donc, on va se rendre donc à l'avant-ville. Tranquille ou bilou.
Hop. Par les lois de la téléportation. Et donc, par la magie, nous voilà dans le centre Pokémon de l'avant-ville pour valider donc la petite quête. Tu as réussi à battre Erika et Morgan. Et oui, j'ai réussi. Donc là, je gagne la Pokéflûte. La fille est étrange accomplie. Deux hyper potions. Je peux donc te remettre cette Pokéflûte. Ah, j'ai eu peur, je t'ai que les hyper potions. Non. Ok. Avec ça, tu vas pouvoir réveiller les ronflex et continuer ta quête vers Parmanie. Il est temps pour moi de rentrer à la base à une prochaine fois. À une prochaine fois, petite. Est-ce que tu peux te dépêcher, s'il te plaît, car l'épisode commence à être long? Ok, allez, on va chasser maintenant le ronflixoune. Hop là, t'es là. En espérant qu'on ne le tue pas. C'est ma seule demande, et en espérant que le ronflex soit pas niveau 70, en mode « Yo, un ronflex sauvage bloque le chemin. » C'était vous jouer de la Pokéflûte pour réveiller le ronflex endormi, bien sûr. Ah, ils ont même remixé cette musique, c'est génial. Oh, quand il s'enroule, il est de mauvais poil. Très bien, allez. Hey Big Mac, t'es à moi. À part si t'es une femelle. Je sais pas comment je vais t'appeler alors. Allez, bluff. Niveau 35 en face. Donc, tout va bien. Alors, ce qu'on va faire, Pokémon. Résumé. Tonnerre, fatal foudre, hâte, soin psycho, tranche, machination, vol, atterrissage cruel, rafale, psy, bourdin, juga, sensu, séisme, coup, bat, tellurie, force. Ok. On va échanger avec Picaprout, donc. Hop, on va échanger avec Picaprout. Comme ça, si on le paralyse, il pourra pas s'endormir. Enfin, je crois. Je sais plus. Et on va tenter une frappe à classe au passage. Histoire de l'affaiblir de mon passage. Allez, le tue pas super efficace. Repos, voilà. C'est ça que je redoute. Donc pendant deux tours, je vais être tranquille. À part sur les blabla dodo, bien sûr. Blabla dodo, plaquage, ça va pas être cool. Non, c'est bon, il a pas blabla dodo. On va lancer l'hyperbole maintenant. Hop là, sac. Hyperbole. Allez, on y croit, les amis, on y croit. 1, 2. Ça y était presque. Ok, il se réveille. Plaquage. Aïe. Attaque. Frappe à classe, on espère pas le tuer. Sinon, on a la deuxième solution. C'est bon. Super efficace. Repos. Ok, il s'endort. Allez, c'est reparti. Ça serait bien qu'il fasse un petit crit là. Est-ce que Tonnerre ferait lui du mal parce que c'est stabé? Fatal Foudre, on le tente. Putain! On l'a eu. On l'a tué. Merde. Ok, ça le fait XP. On va chercher l'autre ronflex du coup. La voie est libre. Très bien. Alors, hop, l'autre ronflex qui était à. Il était à. Je sais plus où. Je sais qu'il y en a deux. Hop, bonjour. Non, là on n'est pas au bon endroit. On n'est franchement pas au bon endroit. Hop, Pokémon. J'ai chaud, les amis, j'ai chaud. Ça fait déjà un petit moment que je tourne. Ça va faire bientôt une demi-heure même. Donc, vous inquiétez pas, l'épisode de vous, de votre côté, ne durera pas une demi-heure. Parmanie, je pense. Ah oui, donc il bloque côté de Céla de Paul. Voilà. Et on va soigner. On va sauvegarder pour pas le tuer. Hop. Bienvenue au centre Pokémon avec le PC invisible. Hop. Et c'est parti. Donc le deuxième ronflex, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est par là. Yes, c'est ça. On va sauvegarder. Comme ça, si je le tue, ben j'arrêterai l'épisode là. Et soit je le ferai en off au début de l'épisode 16 pour histoire de compléter la quête. Un ronflex sauvage bloque votre chemin. Souhaitez-vous utiliser un Pokéflip pour... Oui, je souhaite. Comme ça, en plus, on a deux quêtes en plus pour le prochain épisode. Il a l'air de mauvais poil. Eh bien, on va essayer de ne pas le tuer cette fois-ci. Donc, Fatal Foudre, hors de question.
Je sais même plus si je les ai soignés. Ok, attaque, bluff. Déjà, comme tout à l'heure, tranquille au calme. Vibre obscur. Allez, on continue à l'affaiblir, on continue ronflement. Pourquoi ronflement ? Plaquage. Je vais pas l'encaisser bien celui-là. Je vais pas l'encaisser bien. C'est bon. Et encore un vibre obscur. Là, s'il fait repos, je. C'est bon. Là, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien, les amis. On est bien. Ok, sac. Hyperbole. On en a 6. On y croit. Sinon, il va falloir que j'en achète. 1, 2, 3. Et c'est bon. On l'a capturé. Et donc, on va l'appeler. Mademoiselle Big Mac. Voilà, Big Mac est envoyé au PC, la voie est libre. Donc on va regarder vite fait, hop, la quête, et on va se terminer là, les amis. Ça risque d'être un... bon appétit, bien sûr, c'est... restaurant de Céladopole. Ah ben on va le chercher, hop. Donc, Pokémon. Hop, vol. Ah, c'est la Céladopole. Au moins, on a libéré les voies. Hop, on va récupérer le ronflex. Comme ça, on fait une pierre de coups. Hop, bonjour le PC invisible. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un PC invisible. Hop, déplace un Pokémon. On va sortir, hop, pick-up route. Hop, déplacer. Hop, à la place de Big Mac, donc adieu pick-up route. Donc j'ai pas la miniature de Ronflex, hein, comme vous pouvez voir, je l'ai capturé à l'instant, et un petit peu la flemme de la faire maintenant. C'est très étrange. Oui, on va au restaurant et on va s'achever ici, s'arrêter ici. Restaurant, le restaurant qui est là-bas, on va mettre Ronflex en tête d'équipe pour être sûr de bien mettre tout de notre côté. Hop, 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 voilà, hop là, hop là. Alors, tu m'as ramené ce Ronflex. Ah, par contre, il s'appelle Revient, c'est le mien. C'est lui, je le reconnaîtrai entre 1000 autres Ronflex. Oh, il a l'air désolé du tort qu'il a pu me causer. Alors, tu avais juste une grosse faim, mais tu avais peur que je te donne rien. Oh, c'est mignon. là là. Ah ah, très bien, dans ce cas, viens avec moi, nous allons rouvrir un restaurant et tu seras mon associé. Ah non, c'est mon Big Mac. Mais non, j'en ai tué un. Ok, un œuf, très bien. Un œuf à la place du Ronflex. On verra bien ce que c'est dedans, je pense qu'un Togepi, ok. Allez, cher associé, allons-y. Mais c'était mon Ronflex, c'est... Ok, le Ronflex est au cuistot, et du coup, je suppose que c'est à toi qu'il va falloir parler. Ce thé est excellent. Hips, il faudrait que j'en commande un. Pardon, effectivement, je suis le sensei du dojo. Oh, je sais, tu souhaites me lancer un défi, afin de gagner l'un des 3 Pokémon symboles du dojo. Nom d'une pipe, mais tu as vu l'heure, les élèves m'attendent depuis longtemps. Bah écoute, il est 21h02, on est mardi 16 août 2016, donc oui, t'attendais un petit peu. Oh, je vois, ce sont eux qui t'ont envoyé ici. Très bien, j'y vais immédiatement. Tiens, je n'ai pas fini mon repas, donc je te l'offre. Merci pour le repas. Moi, je veux juste récupérer mon flex là-bas. Voilà, les amis, donc on s'achève ici pour l'épisode. J'ai ultra, ultra... Ah, les restes, ça c'est cool. Bah, ça aurait été pour le Ronflex que j'avais. Donc voilà, c'était ultra ultra long à tourner, je meurs de chaud. Donc là, je vais descendre une bonne bouteille d'eau durant le montage. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie encore d'être aussi nombreux à me suivre sur la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et en tout cas, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye les gens et peace.